On regarde un petit peu mon Threads. Alors, c'est le mien, les amis, donc ne jugez pas des contenus que vous voyez. J'avais testé Threads au moment où il était apparu en Europe pour redisparaître à cause de la réglementation et il est revenu là il y a 34 minutes. Donc ne jugez pas de ce que vous allez voir du Gary Vee, vous allez voir du basket, vous allez voir des trucs que j'aime bien moi. Bon, c'est pas ça qu'on juge, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là ici c'est Threads sur PC, il existe aussi sur mobile, je pourrais également vous le partager. Voilà comment ça fonctionne. On peut mettre Threads et X côte à côte si vous voulez, vous allez voir qu'on est sur le même principe. Donc vous vous abonnez à des gens. Voilà, vous avez la possibilité de rédiger un Threads comme un tweet, c'est exactement la même chose. Si vous allez dessus, vous allez voir qu'il y a un système où vous mettez un texte court, vous pouvez mettre un visuel avec, vous mettez des hashtags. Vous connaissez Twitter? Bon, bah c'est pareil. Pour vous faire un... Je vais pas vous en faire plus. Ceci dit, j'ai pas vu, je la découvre avec vous, la nouvelle version, mais elle n'a pas beaucoup changé. Vous pouvez aller faire des recherches. Vous pouvez aller rédiger, bien sûr, des trucs. Ici, je viens de vous le montrer. Vous voyez les choses que vous avez likées, partagées. Vous avez des trends. Vous avez votre profil. Et vous avez ben, voilà, votre fil qui se constitue des gens que vous suivez et des sujets que vous aimez bien. Et vous allez avoir la possibilité de répondre, de balancer des mentions, de commenter, de re... Mince, j'allais dire retweeter, de republier, de refreader, etc. et de partager. Même topo que sur X, les amis, avec, avec cette logique voilà, de fil continu qui s'arrête jamais et vous pouvez y aller là-dedans. Un vrai mix entre X, voilà, on ne va pas dire que c'est une copie, mais bon, quand même, on a compris, entre X et Instagram.